La motion de censure contre la gouvernance de l'équipe Moussa Mara rejetée. L'opposition cherchait l'adhésion de 98 députés, mais ce sont seulement 24 élus qui ont dit oui à la motion de censure. Réaction de différents groupes parlementaires et de quelques citoyens, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur le RTM et bienvenue à ce journal. Nous allons commencer par l'actualité du jour. Il s'agit du vote par les parlementaires de la motion de censure déposée vendredi. L'opposition cherchait l'adhésion de 98 députés pour faire tomber le gouvernement Moussa Mara. Après débat et à l'issue d'un vote, ce sont seulement 24 élus qui ont dit oui à la motion de censure. Une façon pour les élus du peuple de renouveler au chef du gouvernement et à son équipe toute leur confiance, nous précise Sori Ibrahima Keïta. L'opposition dégaine, le gouvernement riposte, la majorité prête main forte. Notre nation est meurtrie, notre république est affaiblie, notre pays est humilié, notre état dépérit progressivement. Notre peuple se désespère chaque jour tant son quotidien est dur et insoutenable. C'est pourquoi nous avons ce matin, Monsieur le Premier ministre, un devoir particulier. Ce devoir s'impose à vous comme à nous, celui de faire de ce débat un moment de vitalité de notre démocratie, un moment d'écoute de l'opposition pour tirer d'elle les idées utiles pour la nation tout entière. C'est avec fierté que j'ai accepté de remplir les fonctions de Premier ministre sur la décision du président Ibrahim Boubacar Keïta pour l'aider à remettre notre pays sur les rails à travers une démocratie vivace, comme on commence à le voir, et des institutions de nouveau crédibles et solides, comme il l'avait promis pendant la campagne à travers le premier axe de son projet présidentiel, massivement soutenu par les Maliens en août dernier. C'est avec fierté que je vous confirme que nous allons nous battre au niveau du gouvernement pour renforcer la démocratie. Après 8 heures de débats émaillés d'une courte pause et surtout de mise au point interminable, l'hémicycle s'est résolu à ne pas lâcher le chef du gouvernement en si bon chemin. Mais que de salive a coulé. La partie se corse d'entrée de séance entre le chef de file de l'opposition et le Premier ministre. Les chevaux de bataille du premier, Kidal, l'école, les avions présidentiels et ce qu'il appelle les dépenses XXL extra-budgétaires. Nous prenons aujourd'hui et ici notre peuple à témoin afin qu'un jour l'on ne dise pas de toute la classe politique, que toute la classe politique était complice active ou passive de vos fautes et de vos errements. L'opposition, dans le texte de sa motion de censure, a fait cas de certaines affirmations gratuites qui, de manière liminaire, méritent d'être rectifiées pour permettre au débat d'être engagé dans la sérénité et l'esprit analytique nécessaire à un bon moment d'échange et de contradiction démocratique. La vie quotidienne des Maliennes et des Maliens serait de plus en plus difficile selon l'opposition. La vie quotidienne des Maliennes et des Maliens est certes difficile, comme c'est le cas dans tout pays démuni comme le nôtre, mais la situation ne se détériore pas, loin de là. Déjà sur la forme, la majorité crie à un vice de forme quant au rendu public de la fameuse motion dont elle dit qu'elle a été volontairement dissimulée dans un discours politique. Mais qu'à cela ne tienne, le message était délivré. Le miracle ne s'est donc pas produit. Qu'importe, l'opposition qui était dans son droit et dans son rôle s'est exprimée en tirant sur la sonnette d'alarme sur des problèmes que personne ne nie. La majorité et le gouvernement se sont affirmés et le peuple a été édifié.
Suri Ibrahima Keïta reviendra demain sur les discussions qui ont abouti au vote. La motion de censure contre la gouvernance de l'équipe Mara est donc rejetée. Pour rappel, l'opposition a dénoncé la gestion des affaires de l'État, la corruption généralisée, la crise scolaire et les inégalités sociales. Je vous propose de suivre la réaction de différents groupes parlementaires après le vote. Le reportage est signé Bourama Traoré. Ça passe pour le Premier ministre Moussa Mara. Le gouvernement qu'il dirige reste bien en place. La motion de censure initiée par l'opposition est rejetée. Pari reçu pour le parti présidentiel et ses alliés. Le Mali, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin effectivement de ses fils et filles sur les chantiers de construction de ce pays, de recherche du bien-être de nos populations, à la recherche effectivement de l'intégrité territoriale du pays et tant d'autres. Donc je profite vraiment pour saluer le président de la République et tout son gouvernement pour un résultat remarquable en si peu de temps, malgré les défis énormes effectivement qu'ils ont hérités. Nous ne pouvons pas en deux mois dessucer notre gouvernement que nous avons mis en place. Ce gouvernement, nous la faisons confiance. Mais dans le cadre de la gestion d'un État, ce n'est pas un truc de un ou deux jours. Les différentes questions qui ont été soulevées par l'opposition, mais c'est des questions de fond. C'est des questions de fond et l'État étant en une continuité, certainement le gouvernement actuel a hérité de certaines choses, mais qui ne peut pas avoir sa solution tout de suite. Et nous restons contre la motion de censure. Aujourd'hui, le pays a besoin d'être consolidé. Aujourd'hui, le pays a besoin d'une paix. Aujourd'hui, notre pays a besoin de l'unité, sans laquelle nous ne pouvons pas avancer. Ça coince pour le groupe Vigilance Républicaine Démocratique, VRD. Le rejet de la motion de censure contre le gouvernement n'est-il pas un échec politique? À l'opposition, on préfère parler plutôt d'un objectif atteint. Je suis extrêmement satisfait des résultats. Nous étions 22 au total. À l'arrivée, nous étions 24. Ça veut dire qu'en réalité, nous avions raison. Tout simplement, la situation va mal. Quel que soit ce qui a été dit, la situation est extrêmement préoccupante aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se cacher la fâche. Nous sommes dans des impasses. Et nous sommes convaincus que le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui n'est pas capable de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui aux Maliens. Mais il est important de constater à la suite des débats que la démocratie n'est pas encore bien comprise. Et que le fait de l'opposition n'est pas encore bien accepté par la majorité. Et que dans la plupart des cas, de toutes les interventions qu'on a entendues, qui est même dommageable, quand le Premier ministre a dit qu'un débat à l'Assemblée nationale est un débat dans la rue, je crois que ceci est extrêmement grave. Le sens de la motion de censure, c'est d'amener le débat devant l'ensemble de la population, de débattre ensemble des difficultés qu'on a et que l'ensemble du Mali sache que nous nous en préoccupons tous. Pour le groupe parlementaire APM et Farsadi, la démission du gouvernement serait fatale pour le processus de sortie des crises. Ils estiment que l'heure doit être à l'union sacrée pour relever les défis de la réconciliation nationale, de la relance de l'économie notamment. Le vote contre la motion de censure était un vote responsable. C'est un vote responsable parce que nul n'ignore la fragilité extrême dans laquelle se trouve notre pays. Et compte tenu donc de cette fragilité, il était bien séant. Que, comme le disent les Bambara, quand on veut rendre quelque chose de propre, souillé par les selles, excusez-moi l'expression, on n'utilise pas l'urine pour le faire. Alors donc, ce point de vue, le vote que nous avons eu à faire, c'était pour éviter que nous tombions dans une autre crise. Parce qu'une motion de censure contre un Premier ministre qu'on veut faire partir aujourd'hui, cette motion de censure, si elle était acceptée, ouvrait la porte à des dangers incalculables. Alors qu'une rencontre entre les forces politiques pour débattre des problèmes cruciaux du pays, pour trouver des solutions et ramener ces solutions au niveau de l'Assemblée nationale, était beaucoup plus méritoire. La motion de censure, elle était prématurée, elle était précipitée, elle contenait des arguments super légers, suffisante pour pouvoir partir un Premier ministre. Les conséquences de ce vote de la motion de censure, c'était de plonger le pays dans une crise grave et sans précédent. Vous savez, nous venons de très loin. Et au moment où on commence à voir le bout du tunnel, ce n'est pas le moment quand même que certains Maliens encore aient à l'esprit de nous faire replonger dans ce que nous avons vécu.
Je l'ai dit à un certain moment que le peuple malien est inquiet. Mais si cette motion de censure passait, ça allait encore aggraver l'inquiétude de la population malienne. Dieu merci, la majorité a joué son rôle. Toute la majorité, dans son ensemble, les députés de la majorité ont soutenu à 100% le gouvernement. Le Parlement renouvelle donc sa confiance au gouvernement. Il reste maintenant au Premier ministre et à son équipe de poursuivre les actions de redressement du pays. Nous venons d'écouter les parlementaires. Écoutons à présent le citoyen lambda. Il salue cette démarche de hautement démocratique. Il le dit au micro de Mohamed Jara. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça ne fait que réconforter notre démocratie. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus que nous sommes dans un pays où vraiment il y a la démocratie. Donc ça ne fait que renforcer également la démocratie. Est-ce que vous pensez que cette motion de censure est opportune? Non, elle n'était pas opportune et même nécessaire. Il faut quand même que l'opposition, dans tous les pays africains, il faut qu'ils soient un peu conscients devant les situations. Ce n'est pas parce qu'on est opposant que tout ce que le gouvernement fait n'est pas bon. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas le moment. Et parce que l'opposition est venue déposer cette motion de censure à un moment très critique pour la nation malienne. On parle de problèmes d'avion. Il est grand temps que les cadres de ces pays-là cessent de se chamailler. C'est démocratique. C'est très démocratique. Mais on parle de démocratie quand le pays respire en plein poumon. Nous, on ne respire pas. On est étouffé là. Pour moi, je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il doit être ensemble, solidaire, quoi. C'est ça qui va nous faire plaisir, vraiment. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette motion de censure. Sur un tout autre plan, tenue de la réunion du comité de pilotage du programme de coopération Mali-PAM, c'était aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le reportage de Tiemoko Sarara. Ce comité de pilotage regroupe tous les acteurs intervenants dans les domaines d'activité du PAM. Il est consacré à l'examen et la validation de la stratégie pays 2015-2017 du PAM, dont l'objectif est de réduire l'insécurité alimentaire et la sous-nutrition au Mali, un pays qui a connu une crise d'insécurité alimentaire avec son cortège de population déplacée. 75 490 personnes ont besoin d'une assistance d'urgence et 736 746 autres auront besoin de distribution gratuite d'aliments pendant la période de soudure 2014. D'où la nécessité d'agir rapidement afin d'éviter la faim et la malnutrition en notre population. Depuis le 13 avril 1968, date de la signature de l'accord d'établissement, le PAM a toujours répondu favorablement aux sollicitations du Mali. Sur les deux dernières années, le PAM a mis en œuvre des activités de distribution gratuite et de traitement de la malnutrition au profit de plus de 3 millions de bénéficiaires. Avec le retour progressif à une situation normale, le PAM envisage donc de répondre aux besoins alimentaires immédiats tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des moyens de subsistance des populations vulnérables, et ce, de manière durable. L'engagement du PAM auprès de notre pays sera encore davantage renforcé avec la mise en œuvre de son intervention prolongée de secours et de redressement pour la période 2015-2017. La célébration de la journée du 16 juin, journée de l'enfant africain, se poursuit. La première dame, Keïta Aminata Maïga, a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au pied du mur des enfants. C'était en présence de Bakraoui. Le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du mur des enfants par la première dame du Mali est l'illustration de l'engagement des autorités et organismes de soutien à l'enfance. Enda Mali, au cours des années 2011-2013, dans l'exécution d'un programme dénommé DENCO, dans une approche communale, au niveau de ces zones d'intervention, on a pu scolariser 4851 enfants, des parents indigents, 2080 adolescents vulnérables en alphabétisation et plus de 20 salles de classe construites et équipées. Impressionnés par cette cérémonie modeste mais pleine de signification, les enfants ont, à travers sketch et poésie, rappelé les 12 droits des enfants, lesquels accordent une place de choix à l'éducation et à la santé, et la marraine de la cérémonie d'appeler à la synergie d'action pour une meilleure protection des enfants.
Je suis toujours heureuse d'être là parce que je suis d'abord une femme, une mère, et à ce titre, je me dois d'être là, surtout avec les enfants de la rue qui ne cessent d'augmenter et pour lesquels nous devons trouver des solutions réelles parce qu'il y en a de plus en plus. Et la situation que nous vivons depuis quelques années ne fait qu'augmenter également ce nombre. Je demanderai aux parents, mettez vos enfants à l'école, surtout les filles. Je dis les filles parce qu'elles vont devenir des femmes. Et les femmes, c'est le socle du développement. Je sais que les autorités font tout pour que, en tout cas, l'éducation aille de l'avant. Rappelons que le mur des enfants a été inauguré le 8 mars 1989 et Mme Keita Aminata Maïga fait partie des premiers concepteurs de l'édifice. Comme nous parlons des enfants, évoquons la situation de ceux qui sont soumis à un travail forcé à travers le monde. Lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail à Genève, la situation a été évoquée et le tableau n'est pas très reluisant. Notre ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, Boukar Moussa Diarra, prenait part aux travaux. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, honorable délégué, le Mali a vécu ces 10 dernières années les pires moments de son histoire. Avec l'assistance de la communauté internationale, le Mali a pu organiser des élections libres et transparentes et mettre en place des institutions crédibles. Aujourd'hui, avec la reprise de la coopération internationale, l'espoir est permis. Je voudrais surtout saluer les efforts déployés par le Bureau pour amener les États membres de l'OIT à mettre le travail décent au cœur de leurs politiques, programmes et projets de développement. Plus particulièrement, dans les pays sortant de conflits comme le Mali, c'est aussi sans nul doute la voie pour renouer avec la croissance économique. C'est pourquoi le gouvernement du Mali envisage très bientôt de signer avec le BIT un programme pays de promotion de travail décent 2014-2016, appelé PPTD de transition pour le développement durable du Mali, et qui constituera le cadre de référence nationale pour toutes les actions visant à la réalisation du travail décent. Ce PPTD sera axé sur la promotion de l'emploi décent pour les jeunes filles et garçons en vue d'un développement durable du Mali. Voilà, le ministre Diarra qui prenait part aux travaux de la 103e session de la Conférence internationale du travail à Genève. Au Mali, précisément à Taï, le ministre du Développement rural a bouclé sa tournée par la visite du périmètre irrigué de la coopérative des maraîchers de Kamankolé et la nouvelle laiterie de Kaya. Jafar Aïdara, correspondance. Cette visite de terrain a permis à Boukar Tereta et sa délégation de se rendre sur le périmètre irrigué de la coopérative de Kamankolé où il a recensé toutes les difficultés que rencontrent les maraîchers. L'une de ces difficultés est la grande consommation en carburant du groupe de pompage que l'ADRS a mis à leur disposition. Ensuite, le ministre Tereta s'est rendu à la nouvelle laiterie de Kaye qui manque d'électricité pour faire marcher ses machines de raffinage et de conservation de lait. L'État a investi beaucoup d'argent vraiment pour réaliser des investissements extrêmement importants pour le développement de nos populations. Malheureusement, dans le transfert de ces investissements aux collectivités ou aux communautés bénéficiaires, l'État n'a pas pris la mesure nécessaire pour élaborer les cahiers de charge dans lesquels seront indiqués clairement les responsables de l'État et les responsables des communautés pour assurer la pérennité des investissements. L'État doit vraiment donc viser à terme l'autonomisation des producteurs, donc l'autonomisation des unités de production, des capacités qui ont été installées, et puis aider nos populations à se prendre en charge, à sortir de la mentalité d'assistanat. Le ministre a mis à profit cette visite à Kaye pour exhorter le monde rural à redoubler d'efforts pour que le Mali redevienne le grenier de l'Afrique de l'Ouest. En deuxième région, le commissaire parlementaire aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne a effectué une visite au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Pour plus de détails, nous l'écoutons au micro de Breima Kouni. Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind ja doch schon sehr traditionnell. Le Mali et l'Allemagne sont traditionnels. Bien vrai que ça fut dans le temps une interruption. Mais je pense très bien qu'à l'avenir, nous allons travailler intensivement pour que la situation s'améliore davantage. Et je suis convaincu qu'avec cette coopération, nous irons encore plus de l'avant.
ils se sentent comme en Allemagne et ils sont très fiers d'accomplir la mission qui leur est confiée. Maintenant, je peux être sûr que la mission confiée aux soldats allemands se passe très bien. Aujourd'hui, pour voir nos soldats et voir dans quelles conditions nous pouvons améliorer les conditions de travail de nos soldats pour aider vraiment le Mali à bien s'en sortir de la situation dans laquelle il vit. Lancement en quatrième région du projet de renforcement des capacités en matière de législation forestière et de gouvernance locale dans le domaine de l'exploitation et de la commercialisation du bois. Amagiri Ogubaradolo, les détails. Le bois est un produit bien prisé et en particulier pour l'énergie domestique où il couvre 80% des besoins nationaux. En effet, depuis 30 ans sinon plus, dans la région de Ségou, les formations forestières subissent une permanente menace de disparition, toutes choses qui ont valu la création du présent projet. Nous pensons que avec ce projet, on va tenter d'amener les gens à un changement de comportement pour que notre développement soit assez durable. Projet de renforcement des capacités en législation forestière et en gouvernance, il vise une sensibilisation des acteurs à la base. Une gestion rationnelle et une préservation des ressources forestières ont toujours été au centre des préoccupations des autorités nationales, régionales et locales. De nombreuses mesures ont été envisagées, parmi lesquelles on peut citer les mesures législatives et réglementaires sur l'exploitation et la commercialisation du bois, notamment le bois d'énergie. Les populations, les exploitants de bois, les exploitants des ressources forestières soient d'abord organisés en association, en coopérative, pour pouvoir mieux exercer leurs activités, mais aussi que ces activités s'exécutent dans le cadre des textes forestiers qui régissent la gestion durable des ressources forestières au Mali. Projet d'une enveloppe de plus de 80 millions de francs CFA financé par l'Organisation internationale des bois tropicaux. Il dure 12 mois et sera exécuté par l'Association pour le développement et l'autogouvernance ADAM. Ouverture ce matin de la 6e session ordinaire du Conseil malien des transporteurs. Mamadou Doumbia nous fait le point de cette session. L'Assemblée consulaire du Conseil malien des transporteurs qui tient ainsi sa 6e session ordinaire avait à son ordre du jour l'adoption du projet de budget 2014 et l'état d'exécution du budget 2013. Les propositions de relecture du décret et du règlement intérieur régissant le CMTR et les questions diverses. Mais au cours des débats, plusieurs autres situations seront débattues, comme par exemple les tracasseries routières, le renouvellement du parc auto devenu vétuste, la charge à l'essieu fixée par l'UEMOA. Il y a deux semaines, tout simplement, nous avons reçu le rapport de l'Observatoire des pratiques anormales. Et ce rapport nous a démontré que le Mali occupe toujours la tête de peloton des pays en matière de tracasseries routières. Et ce qui est quand même inquiétant pour un pays enclavé comme le nôtre, qui a toujours besoin de transport, parce que le transport est vital pour notre économie. Le deuxième sujet, c'est par rapport à la charge à l'essieu. Aujourd'hui, on demande à ces transporteurs-là qui se sont endettés auprès des banques de diminuer les charges. Nous sommes d'accord, mais faut-il aussi tenir compte des conséquences sur le secteur du transport routier. Concernant le fonctionnement du Conseil malien des transporteurs, le président Youssouf Traoré a félicité les membres pour le travail accompli lors du premier mandat de 7 ans. Nous sommes rendus compte lors du premier mandat qu'il y a vraiment beaucoup d'insuffisances dans nos textes. Et aujourd'hui, il s'agit de revoir ces textes et de discuter et demander ces textes-là pour le bonheur même du CMTR et des transporteurs du Mali. Concernant la problématique des régions du nord de notre pays, le Conseil malien des transporteurs routiers dit non à la partition du pays. Il dit oui à l'intégrité territoriale. Pour la même circonstance, une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans les récents événements du nord et pour la défense de la patrie. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe tous les opérateurs économiques de la visite au Mali d'une forte délégation du monde des affaires du Tunisie du 20 au 22 juin 2014. Cette mission économique multisectorielle s'adresse à tous les secteurs majeurs et sera marquée par la journée de partenariat et de rencontres B2B le samedi 21 juin 2014 à partir de 8h30 à l'hôtel Azalaï Salam. Et les opérateurs économiques intéressés par le présent communiqué sont invités à s'inscrire auprès de la direction de la promotion et du partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
former les femmes leaders en techniques de médiation et de dialogue de paix. C'est l'ambition du projet conjoint CDAO Fondation Espagnole Femmes. Les détails, c'est avec Mamourou Sidibé. La formation en technique de médiation et dialogue de paix pour les femmes leaders du Mali est en soi un grand apport des initiateurs de cet atelier au processus de réconciliation nationale. Oui, notre ambition dans le cadre de ce projet conjoint avec la Fondation et l'État du Mali est d'identifier avec les femmes leaders du Mali des projets de développement communautaire prenant en compte leurs besoins spécifiques dans cette situation de crise pour que nous puissions participer à la résolution des conflits et aussi à l'amélioration des conditions de vie de ces femmes. Aujourd'hui, nous, Femmes pour l'Afrique, sommes venus marcher avec vous, vous soutenir, pour que vous surmontiez les défis qui s'y présentent. Car au-delà des différences nationales, religieuses, économiques, culturelles ou ethniques, nous, les femmes des cinq continents, sommes réunies autour des valeurs universelles. Rien ne se construit sans dialogue, reconnaissent certains intervenants. Surtout quand on sait que les femmes ont été la cible des violences pendant tout le conflit. Ce sont les femmes également qui ont joué un rôle déterminant dans les moments d'épreuve de notre pays. Grâce à nos efforts conjugués, à notre unité d'action et de coordination, nous sommes capables de changer positivement notre destin pour un monde meilleur où femmes et hommes contribueront de manière équitable pour le renouveau du Mali. En ouvrant les travaux de l'atelier, Madame le ministre a exhorté les femmes à conquérir la paix pour le Mali par le dialogue et la médiation. Ouverture d'un pensionnat à Daoudabougou pour une trentaine d'étudiants maliens, un geste d'un homme d'affaires turc, nous dit Moïse Traoré. Un homme d'affaires turc offre un pensionnat aux étudiants maliens. À Daoudabougou, le domaine de 1500 m² a une capacité de 30 lits et dispose de 3 salons et d'une piscine. Des commodités visitées par les invités qui ont fait une halte dans la salle d'études. Dans un pays, en fait, il faut voir sa jeunesse. Je trouve que vous avez une jeunesse qui brille, qui ont beaucoup d'avenir devant eux. Je les félicite. Grâce à cette coopération, des jeunes maliens maîtrisent la langue turque au bout de 4 mois. Vous êtes là, prenez soin de ce qu'on vient de mettre à votre disposition. Vous avez combien d'étudiants à travers le Mali? Et vous êtes une trentaine à pouvoir bénéficier de cette aide. Donc prenez à bras le corps votre formation. À la partie turque, le rectorat de l'Université des sciences, de la technique et des technologies de Bamako propose son expertise dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Et ce communiqué, suite à un incident sur le circuit électrique de la centrale de Balingué, le réseau de distribution d'électricité connaîtra des perturbations dans certaines zones de Bamako. Les dispositions sont prises pour une réparation dans les meilleurs délais et les MSA présentent ses sincères excuses à la population pour les désagréments. Sport, la première édition du Salon des Sports du Mali, SASMA, a pris fin hier au Palais des Sports. Abdoul Karim Kaba nous en dit plus. C'est sur une note d'espoir que les rideaux sont tombés sur la première édition du Salon des Sports du Mali, SASMA. En effet, durant 3 jours, les associations sportives, promoteurs de salles de gym, équipementiers, artisans ont étalé leur savoir-faire, leur expérience, des acquis accumulés et ont réfléchi ensemble sur les perspectives pour le développement du sport malien. Au cours de ce rendez-vous, les participants ont offert un cadre d'échange aux différents acteurs du sport au Mali. Le début, ça n'a pas été facile, mais grâce à l'implication de son excellent monsieur le ministre des Sports, on a pu réaliser ce projet. L'idée est venue du comité syndical de la direction des sports, parce que nous on s'est dit que est-ce qu'il n'est pas temps d'organiser quelque chose qui puisse quand même rassembler tous les acteurs du sport au Mali pour qu'il y ait un échange autour du sport malien. Qu'est-ce qui manquait à notre sport? C'était cette communion que nous avons cherché tant. Réunir toutes les fédérations, réunir tous les acteurs du sport pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions des problèmes de notre sport. L'événement a regroupé beaucoup de monde. Tous les participants ont eu des attestations récompensant les mérites pour la réussite du premier salon des sports du Mali.
Et un mot de football, l'Espagne éliminée de la Coupe du Monde dès le premier tour. Les champions du monde en titre ont été dominés ce soir par les Chiliens 2-0. Il s'agit là de la deuxième défaite de Casillas et compagnie en autant de sorties. Dans l'autre rencontre du groupe, les Pays-Bas se sont difficilement imposés face à l'Australie, 3-2. Les Néerlandais et les Chiliens sont donc qualifiés pour le prochain tour en attendant leur confrontation directe lors de la dernière journée du groupe. À suivre juste après ce journal, le match Cameroun-Croatie, pronostic à suivre sur le RTM. Fin de ce journal que j'ai eu plaisir à vous présenter. Grand merci à ceux qui l'ont fait. À vous, vous avez suivi demain 10h, Mohamed Touré, j'essaierai là pour la grande édition du soir. Excellente nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale et bon match.